Lorient-Le Havre. Oh, c'est un match officiellement sans enjeu parce qu'on le sait, depuis mercredi dernier, Le Havre retourne en Ligue 2. Ludovic Duchesne, Stéphane Guivarch. Pour la deuxième année d'affilée, Lorient veut finir dans la première partie de tableau du championnat, briller devant ses supporters et s'imposer à domicile, ce qui n'est arrivé que 5 fois cette saison. Diallo avec ce bonne remise, Diallo qui va se présenter tout seul, Diallo qui peut frapper et Diallo qui ouvre le score tout simplement sur un ballon perdu, abandonné par les Lorientais. Et bien Le Havre logiquement en profite, Le Havre qui mène à 1-0, qui va jouer crânement sa chance et ça c'est bien pour la suite du match. Oui, mais il est tout à fait logique ce but parce que les Havrais, ils avaient une emprise sur le jeu. Là, Siani se trouve un petit peu et puis ce bon relais à Sanala, Mamadou Diallo, qui fait la différence par sa vitesse. Et derrière, il y a l'efficacité avec cette frappe coup de pied. Ouais, troisième but de l'ancien Nantais. Ah, mais ils ne sont pas trop dedans, les Lorientais. Ça manque de percussion, ça manque de rythme. Bah, ce but-là, il va certainement les réveiller. Premier corner de cette partie. Morel, pied gauche, bien enroulé là-bas, deuxième poteau. Et Placide n'était pas intervenu, voilà, c'est fait pour prendre ce ballon. Le gardien havrais s'est fait quelques frayeurs. Ouais, qui avait donc disputé 3 matchs en Ligue 1. C'était le contrat un peu prévu par Frédéric Hans. Et finalement, eh bien, Johnny Placide devrait finir sa saison bien aidé, bien accompagné par Christophe Revault. Asanala extrêmement concentré. A priori, il va tirer directement ce corner, ce coup franc. Frappé directement avec ce ballon, oh, qui va terminer juste au-dessus de la barre transversale avec Fabien Audard qui tire la langue, qui était pris à contre-pied encore une fois. C'est bien frappé et on a été tout près du 2-0, Stéphane. Oui, tout près du 2-0, il me semble que c'est Jérémy Morel dans le mur qui détourne ce ballon. Et c'est Fabien Audard qui va anticiper de côté opposé, c'est Rapik Saifi exactement qui touche ce ballon. Allez, rentrée de Marama vers UA, Yazid Mansouri pour essayer de redynamiser cette équipe, de lui redonner de l'envie, du cœur, parce qu'elle en a drôlement manqué en première période. Et pour l'instant, Lorient est mené au score. Vaherua, premier poteau, le ballon est mal dégagé. Morel, oh, la balle parade. Et finalement, c'est Placide qui s'envole pour sortir ce ballon. Bah, le danger est beaucoup plus présent dans ce début de seconde période pour les Lorientais sur le but havrais. Et là, la bonne claquette, la main ferme de Johnny Placide pour écarter le ballon. Mayrua, encore une fois, très concentré pour ce coup franc. Là-bas, deuxième poteau. Oh, et le but de Mayrua ! Un but extraordinaire. Mayrua qui avait déjà marqué au match aller contre le Havre. Et là, encore une fois, sur ce coup franc direct, il arrive à trouver la lucarne. Eh bien, Christian Gourcuff a fait rentrer Vaherua pour donner de l'inspiration à son équipe. Eh bien, il incarne, lui, l'inspiration. Marama, Vaherua. Ouais, mais on le sentait venir, ce but. Ça faisait 10 minutes que les Lorientais pressaient. Et là, ils ont la récompense sur ce coup franc excentré. Il a senti que Johnny Placide allait anticiper un petit peu. Et ce ballon, il va se figer dans la lucarne côté opposé. Vraiment une bonne entrée en matière pour l'attaquant. Lorientais, Marama, Vaherua. Gamero qui peut redonner ce ballon, ça va être dur. Leland qui va s'arracher, va prendre ce ballon quand même, ne sortira pas. Leland qui peut maintenant centrer. Leland avec cette tête. Oh, la parade. La parade extraordinaire. On n'a pas peur d'employer cet adjectif là pour qualifier cette envolée de Johnny Placide sous le regard de Christophe Revault, admiratif. Et finalement, eh bien, Le Havre obtient un bon match nul ici du côté de Lorient. Lorient qui aura beaucoup lutté, beaucoup bataillé pour revenir au score, mais qui n'aura pu s'imposer. C'est un peu le mal cette saison de cette équipe qui ne compte que 5 petites victoires à domicile. Mais Le Havre a fait un match bien courageux ce soir.